Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la suite de notre série sur Hotline Miami. J'ai vu que bon, globalement, ça avait l'air plutôt cool. Donc voilà, je continue. Donc on reprend là où on s'était arrêté, avec la nanana là qui dort toujours. Toujours de ce côté mon canapé dans cet appartement, toujours aussi vide. Et les morceaux de journaux, je les ai déjà lus. Famille identifiée kidnappée sur les lieux. Ouais, je sais, elle est là, elle est sur mon canapé. Alors, je devrais peut-être lui demander son prénom, ça pourrait être utile. Bon, alors, on reprend. Bonsoir, Blake à l'appareil. On a un boulot pour toi. Il y a une panne d'électricité au niveau de la 24e rue au nord-est. On veut que tu t'en occupes. On a déjà envoyé quelqu'un il y a quelque temps, mais il semble qu'il n'a pas fait du bon boulot. Vas-y tout de suite, ils t'attendent. Et vite fait, bien fait. Ok, d'accord. Tu bouges pas, hein. Je te laisse tout seul dans mon appartement, tu piques rien. Hein. De toute façon, y a rien à piquer. C'est la dèche. Y a même des miettes dans le lit, quoi. C'est vraiment l'appartement du gros dégueulasse de base, quoi. Allez, go. Tiens, c'est quoi ça? On se ramasse pas, c'est un débris. Si je rate la porte, je vais avoir du mal. Allez, go. Tension. N'aie pas peur de mourir, oui, bah c'est pratiquement le concept du jeu. Donc, au niveau des masques qu'on n'a pas fait, enfin là où on en était, c'est. Voilà, on a Graham, qui est un masque qui permet de marcher plus vite. Donc, normalement, voilà, je me déplace un peu. Oula! Ça va être dur à gérer ça. Merde. Je suis presque trop mobile en fait. Merde. J'avais pas prévu qu'il. Ouais, franchement, c'est dur à. J'allais dire, j'avais pas prévu qu'il le. Qu'il le prenne en otage. Merde. C'est bien joué ça. Belle action. Une bien belle action de la part des joueurs. Il va repasser, je vais lui mettre un coup de porte à lui aussi. Culé. Oula, les deux d'un coup. C'était une occasion à pas rater ça. Faut que je fasse attention parce que les mecs peuvent nous voir au travers des vitres. Tant pis. Ok, c'est pas grave. Oh, une hache, ça c'est cool. Merde, tant pis, bon, j'aurai pas la hache. La machette c'est bien aussi. Ah putain! Oh bah, pff, toujours plus. Tout le faire comme ça. Merde. Oh bah, pff, je suis trop rapide. Je trouve ça désagréable en fait. Voilà. Maintenant que j'ai une arme, c'est mieux. Le chien, faut faire attention parce qu'il va très très vite. Je vais essayer de le prendre par surprise. Voilà. Les deux mecs aux pompes là, ils me font chier. J'ai quoi comme arme qui pourrait être sympa, qui pourrait être utile? Ça, c'est bien ça. Une bonne mitraillette là. Ouais, non, pas comme ça. Bon, alors on a quoi? On a ce connard aux pompes là qui pourrait me gêner. Ah putain, c'était pas intelligent. J'ai eu peur là. Je vous avouerai que j'ai eu peur. J'ai envoyé ma batte pour désarmer le deuxième là. C'est un sacré réflexe que j'ai eu. Bon, le shuriken on l'utilisera pas. Non, c'est la. Voilà, la matraque que je veux. Ça fait déjà un connard de moins. Donc je dois m'occuper. Bon, après, c'est deux connards à la matraque. Une fois que je me suis débarrassé du chien, je m'occupe du connard avec son pompe. Voilà. Merde! Ouais, je suis trop rapide, je trouve ça gênant. Voilà, là je vais mettre la porte au premier et je bute le deuxième. Voilà. Culé. Allez, hop, le kleps.
Alors je sais pas comment il s'est mangé l'autre, mais Shuriken. Ryo Hayabusa style. Ouais, on va pas la jouer. On va la jouer sécure. On va buter. Voilà. Pas prendre de risque, sinon ça sert à rien de mourir. Le pompe. Et toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme arme qui pourrait être utile? Club de golf, j'ai une bonne portée avec. Parfait. Y a rien à récupérer ici. Bon, toi t'as une mitraillette à la con, ça sert à rien. Oula. Ah oui, bah, j'avais pas prévu que tu lui passes en fait. Ah, ça c'est chiant ça. Les mecs accroupis, en fait je dois être dans leur champ de tir pour qu'ils puissent se lever. Parce que sinon je peux pas les toucher. Donc déjà il me faudra une arme de... Ah putain. Voilà, alors tout à l'heure quand ils disaient qu'ils avaient déjà envoyé un mec mais qu'il avait fait du sale boulot, c'est lui. Hein. Apparemment c'est le mec qu'ils sont en train de torturer. Et je vais vous montrer un truc. Je vais pas gaspiller une vie pour rien. Parce que... Enfin une vie. De toute façon c'est un die and retry donc on s'en bat les couilles mais ça me fait chier de crever pour si peu. Donc je vais vous montrer un truc rigolo en plus. Alors, bon à la poêle il n'y a pas d'eau donc c'est de la merde. Est-ce que j'ai pas un fusil qui traîne? Non, j'ai un couteau. Voilà. On va prendre ça. Et on va se mettre là. Viens là, je t'attends. Voilà. Lui il va me saouler. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc techniquement en fait vous voyez les fils sont raccordés aux portes. Donc voilà. Désolé pour vos oreilles. Mais j'y peux rien. Alors en fait si je passe la porte je pète avec. C'est pour ça que j'ai préféré éviter. Le pompe. Hop. Alors, est-ce que. Il n'y a pas d'autres connards? Il n'y a pas d'autres connards. Donc. Ils sont deux, c'est ça? Je vais les verrouiller avant de rentrer. On va commencer par toi, enculé. Voilà, vous voyez, s'ils se lèvent pas, en fait, ils sont hors de map. Enfin, les balles passent au-dessus. Donc, je suis obligé d'attendre qu'ils se lèvent pour les buter. Voilà. Putain, je lui ai arraché la jambe quoi. Ouf, trash. Le pauvre mec là, il y a des morceaux partout. On l'a réduit en poussière quoi. Enfin, Dieu l'a dit, hein. Tu es né poussière, tu redeviendras poussière. Je vais casser les vitres. Bam, bam. Les mitrailleurs. Tac. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Rien? Putain, mais matez-moi la taille. C'est quoi, c'est des chiottes publiques? Là, en attendant, il y a des WC, hein. Vu que j'en ai pas chez toi, vu qu'il y en a pas chez moi, je pourrais en profiter pour faire un petit pipi. Tranquille. Putain, j'ai bugué sur le mot pipi, quoi, ça craint. Non, je vais le ramener chez moi, en fait. Je le montrerai à ma copine. Alors, audace. Ah, pas mal. Combo. Ouais. Bonus de temps. Comment ça bonus de temps 0? Ah bon? Mobilité. Ouais c'est vrai que j'avais un masque qui permet de marcher assez vite donc c'est pas mal. C'est plus, d'accord c'est de la merde. Allez la suite. Ah, on revient à la supérette. Salut poteau, qu'est-ce que tu m'offres aujourd'hui? Ah salut, ça fait plaisir de te voir, je m'inquiétais pour toi. D'accord. Rassure-moi, t'es hétérosexuel toi hein. Les runes sont plus aussi sûres qu'avant hein. Tous ces meurtres, tout ça. Non, non, laisse, tu es mon ami. Ne me vexe pas avec ton argent, passe une bonne soirée. C'est quoi, c'est un paquet de chips? Elles ont pas l'air sûres tes chips. Hein. Tiens, franchement, tu devrais faire le ménage, il y a des vieux journaux qui traînent partout, ça craint quoi, c'est la loose. En attendant, je fais l'hélicoptère avec mes jambes comme la dernière fois. Alors. Putain, il y a des paquets de chips, on dirait qu'ils sont ouverts et tout. Franchement, range-moi ça, c'est dégueulasse.
J'espère que t'es ton propre patron parce que sinon tu serais viré depuis longtemps. Alors. Allez, on revient chez nous. Un nouveau bout de journal. Une explosion de bombe a été entendue jusque dans le centre-ville. Nombre de victimes inconnues pour l'heure, des incendies persistent. Plusieurs suspects masqués ont été repérés à... Plusieurs ? Ah oui, puisque le mec qui a pété, c'était un des nôtres, donc il portait un masque. Eh ? Eh, tu prends ta douche ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je me demande s'il y a un miroir, là, quand même. Sinon, c'est triste. Non mais ouais, en fait elle se fait chier, elle est juste devant l'évier, elle fait rien quoi. On voit au petit geste de la main là, en mode putain je m'emmerde. Alors c'est Dave de l'entreprise de lutte contre les nuisibles de Miami. On a besoin de vous, un client sur la 104e rue au sud-ouest a des problèmes de parasites. Essaye de t'en occuper aussi vite que tu peux. Quelqu'un d'autre viendra nettoyer après toi quand tu seras parti. Fais bien attention à ne pas déranger les voisins. Allez go. Je me demande si mon perso il a un boulot quand même. Parce que bon aller buter des Ruskov toute la journée, pas... Donc c'est pas très lucratif. Oh c'était musique. Allez on va commencer avec Dennis. Donc en fait ça me permet de... C'est un masque de loup qui me permet de commencer directement avec une arme, donc avec un couteau. Vous voyez ? Et je vais en plus je vais pas beaucoup m'en servir parce qu'il y a le pied de biche et le pied de biche permet de débloquer un truc que je vous montrerai après. Merde. Quoique je devrais peut-être le laisser là. Ouais non on va le prendre. Putain il y a les deux chiens dans la même pièce, ça va être chaud. Non en fait ça va. Alors là, bon il y a lui qui risque de m'emmerder, mais ça on va le faire très très vite. Je vais lui balancer le pied de biche dans la gueule, voilà, et je l'achève avec. Alors en fait je vais vous montrer une petite astuce pour débloquer un masque, qui est le masque du crocodile. En fait il faut récupérer le pied de biche que j'ai dans la main là, et venir dans la bouche d'égout ici après. Donc en fait à la fin du niveau, c'est pour ça qu'il faut garder le pied de biche pendant tout le niveau. Ou le laisser au sol plus et venir le récupérer plus tard. Et voilà, ça permet de récupérer un masque dont je me rappelle plus les capacités. Je pense que d'ailleurs le pied de biche je vais le laisser ici hein, plutôt que de me le trimballer. Ouh la belle action, je suis fier de moi là. Voilà, on va prendre le katana. Tant qu'à faire on va le mettre dans un coin de la pièce où je saurai où il est. Voilà. Alors lui... Putain il avait une mitraillette chaud aussi. Merde. Le mec il a pas eu le temps de ranger sa tube, il m'a déjà buté. Alors on a une mitraillette ici, qu'est-ce qui serait le plus intelligent? Buter ces connards là ou aller ici? J'ai un couteau, ouais j'ai un couteau. Oula, j'ai eu un petit lag. On va ouvrir la porte. Ouais. Merde. Oh bah pff. Le mec s'est assommé avec la porte. Il est mort mais il s'est assommé avec la porte. Chais. J'ai quoi comme autre? Ouais, pareil, j'ai le couteau. Merde. Merde! Oh bah oui. Le mec il m'a pissé sur les jambes. Alors. Ah, il y a une machette, elle est cool la machette. Mais tout à l'heure en fait il y avait un shuriken, ça m'aurait un peu arrangé. Parce que contrairement au couteau, le shuriken il tue à coup sûr. En lancé. Oh là, là ça va être tendax. On va le tenter au couteau mais ça va être chaud. Ouais, toujours plus ouais. Chaud 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 cacao. Oh le petit mot là à côté de la télé, sympa.
Ouh, je pensais qu'il avait une arme de... Qu'il avait un fusil, lui. Non. Oh, je peux jeter des briques. On va attendre qu'ils soient tous bien alignés proprement. Voilà. Deux cartouches, trois morts. Oh putain. Il m'a surpris, l'enculé. Je me ferai pas avoir deux fois. En plus, il avait une mitraillette. J'ai bien fait de pas prendre le risque. Voilà. Putain, lui, je l'ai coupé en deux, quoi. Metal Gear Rising. Voilà. Alors, on va chercher le pied de biche. Qui est là. Hop. Bon, du coup, vous aurez pas trop vu le masque de loup. Mais bon, voilà, c'est rien de bien original. Ça permet juste de commencer avec un couteau. D'ailleurs, personnellement, je le trouve vachement joli, ce masque. Voilà. Et on descend. Et en fait, ici, tous, je crois que ça y est. 7, tout ça, tout cela est arrivé. C'est juste un rêve, pas vrai? C'est juste un mauvais rêve, non? Je le savais. Voilà, mais en fait, c'est lui qui a le masque du crocodile. Vous venez ici et vous pouvez le récupérer. Putain, par contre, il est salement amoché. Voilà, voilà. Un petit secret que je partage avec vous. Allez, go! Sour Alligator? Quoi? Mais je l'avais déjà, le masque. Ah bon, je débloque des succès, mais je comprends pas d'où. Pourquoi? Au nom de quoi? Voilà. Oh, combo de 3? Et un C-? Ok. Je comprends rien au système de points de ce jeu. Ok. Bon, y'a plus les deux pélos là. Peut-être que je peux te lire la carte, non? Non, on s'en bat les couilles. Bonsoir, comment vas-tu? Tu as l'air perdu dans tes pensées, quelque chose te tracasse? Les temps sont durs, hein. Les clients se font rares. Peut-être que la pizza est passée de mode. Je devrais peut-être mettre la clé sous la porte. Mais de toute façon, vu le nombre de boulots que t'as, je crois qu'on s'en bat les couilles. Bref, voici ta commande. Un de ces quatre. J'imagine que pareil, je te la paie pas. Putain, d'ailleurs, l'état de la cuisine derrière et tout, ouais, franchement, tu vas finir par mettre clé sous la porte. Hein. Et si c'est pas... Si c'est pas par manque de rémunération, parce que t'offres les pizzas aux clients, ça va être l'inspecteur de l'hygiène qui va te le faire fermer. Hein. Allez, go. Alors. La meuf, elle prend son bain tranquille, sans pression. S'en va les couilles. Alors. D'accord, je peux pas les lire. Eh, hey, connasse, moi je prends pas de bain, j'ai pas de douche et tout, et toi tu te crois chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les meurtres au masque continuent la nuit dernière, une douzaine de corps. Encore des connexions avec la mafia russe locale. La police dément les rumeurs d'un mouvement d'autodéfense. Ouais. Tu penseras à sortir quand même, parce que genre, c'est pas que j'ai peur que tu me niques toute l'eau chaude, mais quand même quoi. Connasse. Putain, je la kidnappe et elle profite de mon eau chaude et tout, elle prend des bains. Elle a foutu des miettes dans le canapé. Salut, c'est Don de l'hôtel Blue. On a besoin de toi ce soir. Notre réceptionniste est rentré chez lui à cause de problèmes d'estomac. On a des hôtes VIP qui vont séjourner chez nous aujourd'hui. Débrouille-toi pour qu'il passe un excellent séjour. Ce sera ta première priorité ce soir. Allez, en route. Chérie, je vais travailler. Pense à faire la vaisselle. S'il te plaît. Au fond du trou, quoi. Oh. Vas-y, lave mes pompes aussi. Voilà, c'est bien. Encore un peu. Tu prends ma bagnole? Culé. Ouais. Allez, go. Alors, maintenant, Georges. Là. C'est cool. Une girafe, le mot que je cherche c'est girafe, qui permet de regarder plus loin que la normale. Voilà, je peux voir beaucoup plus loin. D'ailleurs, ça va m'être utile dans ce niveau. What? Alors, on a des gros là qui sont vachement costauds. Ça va être chaud. On va commencer par toi. J'aurai besoin d'armes à feu, donc on va commencer par les gros.
Merde. Tiens, il y a un truc là. Non, je peux pas lire le papier. Tout va bien. Alors lui, si je le bute au corps à corps plutôt qu'à l'arme à feu, hein, c'est vraiment pour pas attirer l'attention, pour pas gaspiller de munitions. Merde. Fais-moi ton pompe. C'est quoi, c'est une imprimante? Alors elle est chaude cette mission parce que voilà, elle demande l'utilisation d'armes à feu alors que... Putain, je suis con en fait. Chou 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 chou. Voilà, et toi? On va faire aussi vite qu'on peut. Voilà. Et lui, faut que je le bute apparemment. Alors, on va prendre un autre pompe. Voilà. Et j'ai le choix de l'ascenseur. Pim pam poum. Allez, c'est toi. Ah oui, d'accord. Ok, de toute façon, je les vois pas, donc je dois passer par là. Oui, de toute façon, c'est indiqué. Tiens, chais. What? Je savais pas que je pouvais faire ça. Ok, alors ça va être la si ça marche, ça va être la première fois et je savais pas qu'on pouvait faire ça. Toi, je peux pas rentrer. Hein. Parce que normalement, en fait, faut passer le long de la fenêtre là, comme ça, et revenir sur le balcon. Sauf que je pense pas que ça marche. On va réessayer quand même parce que c'est une technique qui me paraît intéressante. Ok, j'ai buté un mec. Tout va bien. Au pif en plus, hein. Ah, mais le pifomètre. Hein. Ça marche à tous les coups dans ce jeu. Enfin, à tous les coups. Chais. Hein? Putain, balle. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres dehors? Il n'y en a pas d'autres. Il y a lui qui est en train de poser sa pêche sans pression. J'espère que t'es pris mon pote, ça va te faire bizarre. Ridicule. Le mec il a le corps, le pantalon sur les chevilles. Quoi. Alors est-ce que ça... Noterai d'ailleurs que c'est le même mec qu'il y avait chez moi. Hein. Donc, juste pour le fun. Le truc qui sert à rien quoi. Pouic, 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 pouic. Ah non, il a pas la même gueule. L'autre il était blond. Tiens, mate mon cul, je twerk. Non. Non, tant pis. C'est pas grave. Je peux jeter les armes par la fenêtre. Enfin, par dessus le balcon. Non, tant pis. Bon. Putain, mais le pauvre quoi. Il creve avec le pantalon sur les chevilles. Franchement, ça devrait être une phobie. Tac. Et on s'en va. C'était vite fait bien fait. C'était un... C'était bref mais intense. Alors. Tuer audace, combo. Ouais, combo, pas top. Audace, pas top non plus. Bonus de temps. Flexibilité 6000, c'est bien ça. Mobilité. Ouais. Un B moins, ça. Alors, qu'est-ce que t'as à nous proposer toi? Eh, salut, franchement ton bonnet vieux, on dirait une vieille orange qu'on t'a pressé sur la tête. Salut mon pote, la vache, ça fait plaisir de te voir. T'as vu les infos? T'as vu ça, les meurtres? Mais bon, c'est top secret, n'en parle à personne. Mais je connais quelqu'un à la police, il a dit, il y a des rumeurs sur la rue. Il n'y aurait pas un, mais plusieurs coupables. Un groupe de personnes qui portent des masques et tuent des Russes. Comme dans les films, c'est carrément fascinant. Eh bien, je pense que c'est génial. Ok, prends le film que tu veux alors. Ces cadeaux, c'est fait pour ça, les amis. Ouais. Genre, j'ai le choix. Ah, d'accord. Je me suis dit, j'ai le choix, je dois prendre les étagères ou quoi. Non, c'est. Putain, mais franchement, c'est tellement les années 80. Fin 80, début 90, quoi. Le logo VHS Palace, quoi. Non. Non.
Alors, 23 mai 1989. Oui, quand t'as fait la vaisselle, toi t'en fous partout en fait. Je vais te retourner te mettre dans ton taudis, toi. Bon. D'ailleurs, tu pourrais vider la baignoire quand même. Y'a rien à faire. Y'a plus de morceaux de journaux. Ah, si, peut-être là, non? Ouais, voilà. Fusillade à l'hôtel Blue. Tôt hier soir, trois hommes politiques parmi les victimes. Coup dur pour la coalition russo-américaine. Plusieurs victimes liées au réseau criminel. Ouais, donc en gros, c'était des politicards, mais c'était des pourris, quoi. Harry à l'appareil du management, on a un problème, c'est le bazar ici, les immeubles de la 122e rue au sud-est. Une tuyauterie d'eau d'un des résidents a éclaté, il y a de l'eau partout. Tout l'immeuble va être inondé d'ici peu. J'espère que tu peux t'occuper de ce merdier immédiatement, il va falloir insister sur la serpillière. Je vais faire le ménage. Putain, mais elle a même pas un livre sur les genoux, quoi. Franchement, mais... Elle est dépressive ou elle est narcoleptique. Ouais, c'est ça en fait, elle est narcoleptique, la meuf elle dort. Allez, on y va. Nightboard, ok. Les armes de mêlée sont silencieuses. Oh, sans déconner. Les chiens n'attaquent pas. Est-ce que j'ai des chiens dans ce niveau? Survivre à une balle, Théo, bah allez, go. S'il y a un chien ou s'il n'y en a pas. Ah, je crois pas qu'il y a de chien. Si, je sais pas, on verra bien. Ah ouais, tant pis, c'est pas grave. C'est le passage de mon intro. Chez. Les gros là, en fait, les gros Ruskov, on peut pas les tuer au corps à corps. Il faut forcément les tuer avec une arme à feu. Oh. Ils vont se relever. Voilà. On va prendre ça, la bouteille. J'ai pas l'habitude de m'en servir. D'accord, elle tue pas la bouteille. On va prendre le shuriken. Ah si, oui, il y a des chiens. Merde. Putain, pourtant. Merde. Ah, j'étais sur lui en fait, d'accord. Vous voyez, le chien il m'est passé devant, il m'a pas attaqué. Il doit me prendre pour l'un des siens. Ce qui est. Généralement la mitraillette ça suffit pas à les stopper. Hein. Faut vraiment y aller aux pompes pour que ce soit net et précis. Rien à récupérer. Oh, cette musique, putain de merde. Autant la musique de Nyan Cat, elle m'a vite pas fait péter un plomb, autant celle-là, je pourrais l'écouter pendant des heures. Pas le pompe. La mitraillette, celle-là, elle est vide. On va prendre celle-là. Ah ouais, chaud. Merde, j'allais dire une occasion en or comme ça, ça se présente pas souvent. Timing parfait. Bon, il y a lui là, il a pas l'air de bouger. Allez, go. Alors, les fusils à pompe, hein, ceux-là, là, ceux avec 6 cartouches, ça, même ça, ça les stoppe pas net. Le mieux, c'est le fusil de chasse. Le fusil de chasse, c'est net et précis, sans bavure. Avec les gros. Ah, en fin de compte, si, il va m'être utile ce masque. Ah oui, bah d'accord, bah toujours plus. J'ai frappé trop tôt. Ça demande vraiment un timing parfait. Vu que les chiens n'attaquent pas... Oh, le mec il avait un sixième sens, quoi. J'avais peur qu'il me voie, mais ça va. Ah merde, j'ai tué le chien en même temps. Bon, en même temps, merde, je m'en fous parce que je crois que je suis obligé de débuter de toute façon. Toi, tu vas pas la sentir passer. Ah. Petit changement de programme, on a un petit plaisantin à la compagnie de téléphone. Ce serait bien que tu ailles le raisonner si tu vois ce que je veux dire. C'est sur la 342e rue.
Au nord-ouest, vas-y maintenant en vitesse. On va se marrer. Mais c'est... Je viens de noter que c'était la casquette des mecs qui faisaient le ménage. Je viens... C'est... Sans rire, c'est la première fois que je vois ça. Je viens de tilter dessus. Il y a le frigo qui dégueule. On s'en bat les couilles de tout ça. Allez, on y va. Ah, j'ai plus d'armes. Ça a été le carnage ici. Allez, on monte. On y va. Et je vous présente le premier combat de boss. Chaud. Les combats de boss de Tiny Miami sont très durs parce que eux aussi ils demandent un timing parfait, mais vraiment sur la longueur. En fait, je dois esquiver ces coups parce que sinon, voilà ce qui arrive. Et je dois réussir à le frapper quand il met deux coups en fait. Et après, il balance son coup près parce que c'est un hachoir qu'il a. Merde, j'ai pas réussi à le choper. Il balance son coup près et après je peux lui mettre un coup. Parce que sinon, si je me rapproche, il me met une grosse mandale. Parce qu'il est vraiment très très rapide. Hein. Merde. C'est clairement... Les boss de Hotline Miami sont vraiment très très durs. Le jeu globalement est dur, mais alors les combats de boss... En soi, les patterns sont très simples, mais... très simples à comprendre. Assez intuitif. Mais très dur à... Très dur à mettre à réaliser. Alors j'essaie de le garder verrouillé, vous voyez, comme ça j'ai juste pas la trajectoire à contrôler, juste mes déplacements. Allez, merde, j'allais dire encore un coup, il balance son coup près, mais tant pis. Chaud. Il va me le balancer à la gueule ce con, il va me buter. Je dois essayer de me tenir le plus éloigné de lui possible. Parce que vraiment, quand il est trop proche, c'est la mort instantanée, quoi. Là, je pense que je vais l'avoir venir. Ah, je t'ai eu, enculé. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas s'arrêter. Maintenant, pas comme ça, j'étais si près. Écoute, mec, je ne veux pas. Tu veux crever, vieux. Je peux pas me servir de ton... Oula, je lag. Qu'est-ce qui se passe? Reviens. Je vais t'achever, vieux. Ah, je dois prendre le club de golf. Oh putain, je lui ai décollé l'arrière de la peau du crâne, quoi. Et voilà, combat de boss vite fait bien fait. On s'est débarrassé de Biker. Parce que c'est le seul truc qu'on sait sur ce perso, hein, c'est que c'est Biker, c'est un motard. On le reconnaît à sa veste rose. D'ailleurs, il y a plein de clins d'œil à ce personnage-là. Et à Jacket, hein, mon personnage, dans plein de jeux. Hop. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous allez sur Steam, vous allez sur Hotline Miami et vous regardez les artworks de ce jeu. Ils sont tous plus cultes les uns que les autres. Enfin, j'ai les artworks sur Steam, mais il doit y en avoir sur DeviantArt. Hein. B-, ça va. Et ben, on va finir ça, et puis on va se laisser. Est-ce qu'il a jarté le mec qui dégueulait? D'accord, il n'y a plus personne. Quel plaisir de te revoir, mon ami. Comment ça va ce soir? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Pour tout te dire, je ne suis pas au top non plus. Ça doit être quelque chose dans l'air. Je ne sais pas. J'ai un très mauvais pressentiment. Comme si quelque chose de terrible allait se produire ce soir. Je n'ai pas ressenti ça depuis San Francisco. Je n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Alors ça te dit un verre? C'est pour moi. En même temps, il n'y a personne dans ton bar, donc bon. Je le bois même pas, le mec il prend, il met dans sa poche, il s'en va avec. Je dis même pas merci, rien. Allez, salut. Ça en est plutôt bien sorti, je trouve. Voilà. Donc on continue le chapitre avec ça. Alors comment ça tu... Alors comme ça tu es revenu. Comment vas-tu? Tu as l'air malade. Tu devrais peut-être consulter un médecin. Putain, c'est quoi? C'est un mec avec un masque de cheval assis dans une pièce chelou qui me dit tu dois peut-être aller voir le médecin. Je suis censé avoir confiance en toi.
t'avais dit de ne pas revenir ici. Je suis pas là de mon plein gré, hein. On dirait bien que tu te moques de ce que je peux te dire. Ouais, ça, t'as un masque de chouette, donc c'est pas ce qu'il y a de plus crédible, de ce qu'il y a de plus terrifiant. Si tu continues à venir, je vais... Si tu continues à venir ici, je vais partir. Putain, j'arrive plus à lire, je suis fatigué. Tu as réfléchi à ce que je t'ai demandé la dernière fois? Oui, bah, je donne les réponses en vidéo. T'as qu'à regarder, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu cliques et tu verras tes réponses. Je ne suis pas là pour te donner des réponses. Bah, ferme ta gueule alors. Des questions, c'est tout ce que je peux offrir à quelqu'un comme toi. Moi, je m'en pose déjà assez, hein. Je sais déjà pas ce que je vais faire demain. Si tu ne te sens pas bien, tu devrais te reposer. Il faut parfois savoir lâcher prise. À vouloir trop en faire, on finit par craquer et par ruiner tous ses efforts. Notre prochaine rencontre sera la dernière. Je le vois dans tes yeux. Avant de partir, laisse-moi te dévoiler trois prédictions. Une personne que tu connais n'est pas celle que tu crois. D'accord ? On te prendra bientôt une chose qui t'appartient. Le 21 juillet, tu te réveilleras dans une plus grande maison. C'est tout. Je note cependant que la table sur laquelle était posé le tourne-disque est pétée. Alors vous avez dû faire une sacrée fiesta. D'ailleurs, c'est le bordel. Faudrait passer la serpillière quelque part. Les lendemains de fête, je sais que c'est toujours le bordel, mais faut ranger. Putain, on fait lit à part ? On va lire l'article. Sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'article du journal. D'accord. Bon, bah du coup, on va s'arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Je trouve qu'on on a bien progressé. On s'est plutôt bien sorti. Donc, je suis plutôt content. Je vais continuer la série. Je vais finir le jeu. Hein. Et après, en fonction de comment ça se passe, je verrai sur quoi je repars. Si je continue déjà, si je lance une autre série ou pas. Et surtout sur quoi je repars, parce que j'ai pas un PC très puissant, donc je peux pas filmer sur n'importe quel jeu. Donc je vais surtout me contenter de jeux indés, de jeux un peu what the fuck, et des jeux rétro aussi. Mais voilà, je vais surtout essayer de trouver des trucs un peu amusants, histoire qu'on se détende. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode, et à bientôt.